Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant les cartes à jouer Pokémon. Alors, cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle va s'adresser plutôt aux collectionneurs et on va vous faire partager notre petite expérience là-dessus. Donc, comme vous le voyez, sur notre tapis de jeu, nous avons plein de petits tas de cartes retournées, de cartes Pokémon retournées. Alors, pour vous expliquer, c'est tout simple, on a acheté un lot de cartes. Comme ça, à un particulier, et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, ce lot, normalement, comprend des anciennes cartes de 95 à 2000. A priori, il n'y aurait que des cartes communes, mais on va essayer de découvrir ça ensemble, voir s'il y a des cartes intéressantes. Les cartes, comme on peut le voir, sont plutôt en bon état. Pour des cartes aussi anciennes qui ont plus de 20 ans, c'est vraiment intéressant. Alors, on pense qu'il peut y avoir à peu près un peu plus de 400 cartes. C'est un lot qui a été acheté amicalement à une personne qui le vendait, tout simplement, qui avait gardé ce lot dans son grenier et qui souhaitait s'en séparer. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose de très positif parce qu'on acquérit un lot qui est très intéressant, qui va nous permettre d'augmenter notre collection et en même temps avec des cartes qui sont plutôt vraiment de bonne qualité, vraiment qui sont en excellent état. Voilà, alors on va retourner les cartes. Et puis on va essayer de découvrir ensemble qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Alors bien sûr, c'est des communes, mais voilà. Alors ici, on prend une première commune, c'est la Team Rocket. Alors c'est une des premières éditions de cartes magiques, effectivement. C'était à la fin des années 90. Team Rocket. Ah, bon, ça, c'est une édition beaucoup plus récente, hein. Ça n'a rien à voir. On va la mettre de côté, on va mettre Team Rocket ici. Ici, toujours du Team Rocket. Donc c'est des communes hein, par contre. Commune Team Rocket. Là où ça, alors il y a plus de chance, on voit qu'il y a 102 cartes. Il n'y a pas de logo. C'est carrément pour moi, c'est une carte du set de base. Donc si c'est le cas, soporifique set de base. Je vais jeter un coup d'œil. Surtout, c'est le numéro combien? La numéro 49 du set de base, soporifique. C'est bien ça, hein. C'est bien une carte commune du set de base. Donc la toute première édition de cartes magiques. Donc c'est des cartes pour l'instant, hein, a priori que des cartes françaises. Donc on va continuer à les retourner. Team Rocket. Set de base, dresseur. Set de base. Et alors là par contre, il y a deux petites étoiles. Alors il faudrait peut-être découvrir ça. Ça doit être une autre famille. Il y a 111 cartes. On cherchera plus tard. Team Rocket. Fossile. Là, on voit la petite main. Donc ça, c'est la deuxième édition qui est sortie. Alors, je sais plus si c'est Jungle ou Fossile. C'était à la fin des années 90, en fait. Donc, hop. Voilà, on a encore du Fossile ici. On a le logo qui est là. Les petites étoiles ici. Voilà. Team Rocket, on va essayer de trouver en même temps. Ah voilà, on a du jungle. Voilà, jungle. Vraiment, les cartes, elles sont en super état. Voilà, pour compléter la collection. Bon, j'ai pas regardé sur toutes les cartes, mais a priori, c'est que des communes. Fossile. Team Rocket. Alors, il y a déjà pas mal de Team Rocket. Hein. Constaté. Fossile, Team Rocket. Team Rocket, Team Rocket. Fossiles et jungle. Alors vraiment, pour l'instant, on tape que dans les premières familles. Alors, il faut savoir que le set de base a été édité en 99, jungle et fossiles en 2000. Donc c'est des cartes qui ont un peu plus de 20 ans. On va continuer. Hop, on a un nouveau tas. Alors, au total, a priori, il n'y aurait plus de 400 cartes. Donc, allez, jungle, Team Rocket, Team Rocket, Team Rocket, Team Rocket, Team Rocket. On va aller un peu plus vite, hein. Mais c'est vrai, toutes les cartes sont en super, super état. On va essayer d'aller un peu plus vite pour. Hop. Alors, c'est vrai que là. Pour les amateurs, pour les collectionneurs, là on est tombé sur un super lot. On remercie ce gentil vendeur
qui nous a bénéficié de toutes ces cartes. Hop, ça c'est du jungle, fossile, pardon. Hop, jungle, Team Rocket. Pour l'instant, il n'y a que 6 familles. Alors ça, c'est... Hop, Team Rocket. Hop, 3. On a mis Herbe. On va un peu vite, hein. Alors je sais pas la vidéo ce que ça donne. Ah, zut. Je me suis trompé de colonne. La vidéo, ça va peut-être un peu vite. Peut-être les cartes, on les voit pas trop, mais bon, il y a tellement de cartes dans le lot que Team Rocket, hop, jungle, jungle. Alors là, pour l'instant, la Team Rocket est en grande majorité. On a quand même eu deux cartes du set de base. Celle-là, la deuxième, c'est quand même un dresseur du set de base, la 93. Je confirme bien. En plus, on peut arriver à voir que c'est très aisément que ce sont des vraies cartes, hein, s'il n'y a pas des fausses cartes. Team Rocket, Team Rocket, hop. Team Rocket, fossile. Là, de la jungle, quelques cartes qui sont à l'envers, on va les retourner. Alors, il y a sûrement des doubles, hein, dedans, forcément, hein. Si c'est que les communes des éditions de l'époque, par exemple, ici, pour la Team Rocket, il n'y avait que 82 cartes. Forcément, on voit déjà le tas, on n'a que des communes, donc il y aura forcément quelques cartes en double. Alors après, la qualité des cartes, elle est quand même géniale, c'est super. Team Rocket, ah, alors, on a un dresseur, ah ben un nouveau dresseur. Ça, c'est la 94, le set de base. Hein. On a la 93 et la 94, set de base. Toujours en super état. Enfin, légèrement des bords blancs sur le dos, mais vraiment, pour des cartes qui ont plus de 20 ans. Allez, Team Rocket, Team Rocket. Ah, là, il y a d'autres éditions qui n'ont rien à voir, donc qui sont un peu plus récentes. On va les mettre de côté, ces petites éditions. Enfin, un peu plus récentes. Toujours les années 2000. Hop, on va retourner le tas. Quête. Fossile. Jungle, jungle, jungle. Quête. Jungle. Voilà, Team Rocket. Fossile. En fait, c'est surtout axé sur ces trois familles. C'est un lot quand même assez exceptionnel. Hein. Bon, c'est que des cartes communes, mais des cartes communes de cette époque qui ont plus de 20 ans et dans un état comme celui-là, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir en récupérer. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on a là? Toujours fossile. Et là, ah bon, on a encore un autre, une carte du set de base. Ouh! Alors là, voilà, la petite particularité, c'est les premières éditions. Et celle-là, c'est une première édition du set de base. Donc c'est des cartes encore plus rares. Donc c'est la 53 sur 102, la Magnéti. Et c'est des cartes qui sont encore plus... je crois que j'en ai pas trop vu pour l'instant. Enfin, on fera peut-être le tour vite fait tout à l'heure. Voilà, c'est une carte du set de base, de première édition. Donc, encore une carte du set de base ici. Elle n'est pas de première édition, il n'y a pas le logo première édition. Ok, Team Rocket. Alors, on a fait quasiment la moitié. Bon, c'est vrai que le lot de 400 cartes, il me semble qu'il y en a un peu plus. Elles sont magnifiques les cartes. Magnifique, allez, jungle. Alors, je vais très vite, mais j'ai pas eu le temps de voir si justement il y avait d'autres premières éditions dans le lot. Ces cartes qui sont sorties à l'époque et qui n'y a pas eu de réédition. Donc pour les collectionneurs, les cartes de première édition sont encore plus intéressantes. Parce que très très rares à retrouver et puis elles ont une valeur financière beaucoup plus importante. Hop, ah, c'est vrai que le tas de Team Rocket a vraiment grandi. Alors, on a encore une carte. Le 95 du set de base. Et la 92. Ah bah, on a toutes les cartes qui suivent. Sympa, c'est très sympa, ça. Rocket. On continue. Ah, 64, ça c'est... ouais, c'est jungle, fossile. Team Rocket. On a encore des jungles. Voilà, on en a une en double à Miaouss, mais on en aura d'autres forcément. Moquette, jungle, jungle.
Voilà, on fait défiler. Team Rocket, Team Rocket. Alors, les deux étoiles, je vais essayer de me renseigner pour voir un peu à quoi ça correspond, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Ça m'intrigue. Je pense que c'est des éditions X. Alors après, tout est de savoir dans quelle édition les deux étoiles. Faudrait chercher plus en avant. Mais à mon avis, c'est pas des éditions courantes. Alors déjà, c'est du français. C'est vrai que toutes les éditions Wizard n'avaient pas forcément du français. Donc c'est pour ça que je taperais plus dans du X. Dans du X. Il va falloir chercher parce que même les sites les référencent pas forcément celle-là. Bon, on cherchera plus tard. Mais c'est vrai que c'est des éditions, des toutes premières éditions. Allez, on continue. Du fossile, du Team Rocket, Team Rocket. Voilà, on a fait. Ouh, on a une première édition. Oh là là là. Alors là, on a, c'est la 91 sur 102 du set de base et c'est une première édition. Ça, c'est super. Hop, une de plus. Donc, Jungle, Team Rocket, Team Rocket, Fossile, okay, Team Rocket, Fossile, voilà, Team Rocket, on va avoir peut-être les cartes en 3 ou 4 exemplaires. Ouais, on en a plusieurs quand même de ces petites étoiles là. Alors, il va falloir trouver ce que c'est cette famille, hein. Granivolution. Je vais essayer de la taper sur ordinateur, on va voir. Effectivement, alors ça serait la famille Neo Genesis, famille de cartes Pokémon. Qui serait sortie le 20 mai 2001. Donc cette famille-là, bah je pense que c'est le 20 mai 2001, hein, Neo Genesis. Bon, c'est voilà, vraiment très ancien. Alors, on va continuer. Regarde si on pouvait en avoir d'autres, ça peut être pas mal. Il me semble que pour notre collection, on n'avait peut-être pas tant que ça de ces Neo Genesis. Hop, j'ai dû inverser là, celle-là. Voilà. Bon, il nous reste plus que trois petits paquets. J'ai pas compté, hein. A priori, il y en a un peu plus de 400. Neo Genesis, voilà. On est bien content de le savoir. Hop. Toujours des cartes vraiment en super état, hein. Vous pouvez le voir, vraiment ces cartes. Ah, c'est marrant parce que Mystère, on l'avait dans les Neo Genesis aussi. C'est des cartes qui ont été rééditées plusieurs fois dans les premières éditions. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que pour le set de base où on a regardé un peu en même temps si c'était des premières éditions. On aura peut-être des bonnes surprises. Alors je ne sais plus jusqu'à quand on pouvait définir ça, le terme de première édition. Est-ce que sur les fossiles, les jungles, c'était indiqué ou pas?
Voilà. Continue. Alors, on a quand même. Alors, je pense que là, on a quasiment toutes les communes de ces éditions-là, hein, et en vraiment très très bon état. Et encore, cette de base. Ponita. La 60 sur 102. Super état. Vraiment. Voilà. Et encore un set de base, petit art, la 59 sur 102. On est gâté. Franchement, on est gâté. On est gâté. C'est du lourd, hein, parce que elles sont pas faciles à trouver et aussi en bonne qualité comme ça. Voilà. Un jour, on pourra vous montrer dans d'autres vidéos, tout ce qui est nos rubriques, ça va être les vidéos qui concernent la collection, où on montrera les éditions une par une. Et vous pourrez voir justement la collection que l'on a. Allez hop, set de base, Starry. Une de plus. T'inquiète, et là on a. Allez, le petit tas dernier qui reste. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, on en a quand même eu. C'est quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment eu que les. C'est vraiment que les premières familles. On a eu trois cartes en vrac d'autres éditions un peu plus lointaines, mais des années 2000, mais sans grande importance. Continue. Voilà. On va arriver au bout, hein, du lot. Alors. C'est une vidéo un peu qui sort de l'ordinaire, puisque d'habitude ce sont des ouvertures de booster. Et là, c'est un lot de cartes que l'on a pu récupérer. Voilà. Donc on arrive au bout du lot. Donc là, on a toutes les jungles, les cartes jungles que l'on a eues dans le lot. Les cartes fossiles. Donc Neo Genesis. Alors là, du Team Rocket, on en a un bon paquet. Hein. Team Rocket, on va les laisser là. On a ces trois éditions. Qui sont un peu plus lointaines. Hein. Je crois que c'est du génération X et génération ça. Et puis les autres, ça doit être des diamants et perles, il me semble. Ah, faudrait regarder en détail. Et puis alors là, on a eu quand même ces petites cartes du set de base. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze cartes du set de base. Onze différentes. Alors on va essayer de voir. Hop, celles-là, elles n'ont pas le logo première édition. Celle-là, la logo première édition. Bon, je les balaye vite fait, hein, parce que voilà, celle-là, on en a deux de première édition. Voilà. Alors sur les 11 cartes, on en a quand même deux qui sont de première édition. On peut voir les logos. Hop, ici, voilà. Magnity, puis le dresseur. Donc c'est bon, 11 cartes quand même, on est gâtés, hein. Qu'est-ce qu'on va aller prendre? Allez, jungle. Non, c'est ça, jungle. On va prendre fossile. On va vite compter le nombre de cartes. 3, 4. Quatre cartes. Alors, si on met l'état à côté, on s'aperçoit qu'il y en a même un peu plus, on va dire autour de 90 à 100 pour l'édition de jungle. Donc fossile 84 cartes. 90-100, là, si on met les deux ensemble, on a même à peu près 230 cartes Team Rocket. Donc on a un peu plus de 400 cartes, je suppose, un peu plus de 400 cartes dans le lot. Donc c'est vraiment un lot magnifique. Puis vraiment, les cartes sont en très bon état. De ce côté, il y a. On ne voit aucune faille sur les cartes. Là, on voit des légendes sur les côtés, sur les bords, un peu de blanc, mais sans plus, quoi.
Alors c'est vrai que bon, j'ai pas regardé tout à l'heure quand j'ai retourné les cartes s'il y avait des premières éditions ou pas. On va balayer. Alors, je sais pas si pour Jungle et Fossiles on a des premières éditions. Je pense que si, mais c'était vraiment dans les premières familles qui sont sorties. Bon là j'en vois pas. Alors, je sais que moi ça m'a marqué pour le set de base, hein, qu'il y ait vraiment ces petits logos première édition. Faudrait que je me renseigne justement plus en avant sur toutes ces petites particularités. Alors peut-être quand on présentera la collection que l'on a, de montrer ces petites différences. Bon là je vois pas de carte première édition. À mon avis, c'était que pour le set de base. Faudrait regarder dans notre collection, parce que c'est vrai que nous, notre collection, on a des cartes. Bon là c'est que des cartes communes, mais on a même des cartes rares de ces éditions-là. Voilà, l'avantage c'est qu'avec ces cartes-là en super état, on va pouvoir changer les cartes qui étaient dans notre collection en moins bon état par ces cartes en super super état. Voilà. Donc bon, on voulait vous faire partager cette petite découverte. Enfin, je voulais vous faire partager cette petite découverte de cartes, ce petit lot acheté à un ancien joueur qui avait gardé ça chez lui dans son grenier pendant 20 ans. Bon, effectivement, on n'a que des communes, mais alors c'est une belle surprise. 11 cartes du set de base, dont deux premières éditions. C'est quand même vraiment intéressant pour les collectionneurs. C'est que des cartes qui ont 20 ans, à part bon, Neo Genesis qui est sorti en mai 2001. Bon, il y en a quoi sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 23 cartes, je sens qu'elles sont super état, rien qu'au toucher. Donc 23 cartes, 3 cartes un peu plus récentes. Et puis le reste, c'est des cartes qui ont 20 ans. Ce sont les premières familles. Alors, c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de voir ces cartes-là, combien on en a en double, on est en plusieurs exemplaires à la rigueur. On peut faire un petit état des lieux sur les couleurs, éventuellement, pour retrouver un peu. Bon, ça va être un peu long de faire ça. La vidéo, elle durerait peut-être longtemps. Ça permettrait en même temps de voir. Où on va sortir par exemple que les bleus et les vertes. Allez, on va aller voir ce qu'on a. On va sortir que les bleus et les vertes. Ça va nous donner un aperçu. Parce que bon, cette édition, par exemple Team Rocket, il y a 82 cartes différentes. Petite précision. Donc sur les 82, je ne sais pas combien il y a de rares et de communes, mais il y a peut-être des communes, il y en a peut-être 40. Donc là, si on a 200 cartes, ça veut dire qu'on les a, certaines, on les a 3 ou 4 fois quand même. Ouais, c'est pas grave parce que ça peut s'échanger. J'ai pas, je me suis basé mince que sur les vertes. J'ai pas fait gaffe, je suis allé assez vite. On va prendre que les vertes. Ça, je suis parti là-dessus. Voilà, ça ira plus vite. Ça permettra de se faire une idée sur le nombre d'exemplaires différents. Mais je pense sincèrement qu'il y a de grandes chances qu'il y ait toutes les communes de ces éditions-là, enfin de Jungle, Fossil et Team Rocket, parce que en ce qui concerne le set de base, on a 11 cartes différentes, mais c'est pas forcément des communes. D'ailleurs, d'habitude, les dresseurs, c'est des unes communes, mais là, j'ai pas vu d'une commune. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait effectivement dans le lot des unes communes ou des rares, peut-être qui se baladent au milieu. Ça sera à voir en détail. Il va falloir, nous, on va, enfin, moi, je vais m'occuper de trier les cartes par numéro. On va les mettre, je vais les mettre dans l'ordre, hein, tout simplement, et puis après, ben. Je pointerai avec la collection que l'on a. En fait, je fais un pointage aussi avec une liste que l'on a sur Excel et qui me permet aussi de savoir le nombre de cartes, la version française, anglaise. Bon, la priorité de la collection, c'est quand même la collection en français. Et puis après, il y a aussi les versions en elles-mêmes, parce que pour certaines cartes, bon, il y a des versions holo, des versions normales. Version reverse après plus tard, bon, pas pour ces anciennes familles puisque les reverse n'existaient pas encore à l'époque. Je vais enlever la rouge et voilà. Donc là, on a le lot de cartes vertes de Team Rocket. Donc ça fait un bon paquet, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37 cartes. Je vais regrouper les autres. Hop. Je vais les regrouper. Et puis,
Je vais juste ces 37 cartes les répartir pour voir combien ça représente de cartes différentes. Enfin, il y a au moins 8 couleurs, donc s'il y a une cinquantaine de cartes, c'est juste pour savoir à peu près. Hop. À peu près le nombre. Bon, effectivement, on dirait qu'il y en a 5. 5 cartes communes vertes. Hop. Alors forcément, vu que il n'y a peut-être que 40 communes dans la famille et qu'il y a peut-être 240 cartes, on devrait avoir 6 exemplaires de quasiment de chaque carte. Alors après, c'est. Je dis, hein, ces cartes, elles sont facilement échangeables. Voilà, bon, alors on a donc ces 5 exemplaires vertes. Et donc. Je vais vérifier que c'est que des communes. Ouais, c'est que des communes. La première. On l'a 9 fois. La deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Smogo. On l'a. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et on a Tadmorve. 6 fois. Et la dernière, Misterbe. 3, 4, 5, 6, 7 fois. Alors bon. C'est pas, moi ça me dérange absolument pas vu la qualité des cartes. Ces cartes, elles vont pouvoir être échangées très facilement avec d'autres cartes. On va pouvoir faire plaisir à d'autres collectionneurs qui souhaiteraient éventuellement récupérer ces vieilles cartes. Donc nous, on va pouvoir compléter notre collection. Et puis voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous faire profiter un petit peu de cette trouvaille. Ça m'arrive souvent de récupérer des lots. Et puis de compléter la collection grâce à des lots à droite, à gauche. Il y a toujours, faut surveiller, il peut y avoir des offres intéressantes. Alors une offre proposée, il faut toujours faire attention, il y a aussi une possibilité d'arnaque. Il faut faire très attention aux cartes qui vous sont proposées parce que vous pouvez tomber sur des fausses cartes. Moi je préfère rencontrer les gens qui vendent. C'est plus facile, il y a plus de confiance, et puis m'assurer d'avoir une communication avec eux pour être sûr d'avoir affaire vraiment à des personnes qui sont sérieuses, voilà. Et puis après, le lot est propre à chacun, c'est-à-dire que ben, ce lot-là, nous, il nous intéresse, moi, il m'intéresse particulièrement parce que, pas forcément que ce sont des anciennes cartes, mais c'est aussi pour compléter la collection, donc chacun va avoir midi à sa porte. Il y a d'autres lots qui vont être sur le marché qui ne vont pas m'intéresser personnellement, parce que je vais déjà avoir toutes les cartes de l'édition concernée. Voilà, donc un lot peut être intéressant pour une personne, mais pas forcément pour une autre personne. Voilà, donc chacun il verra son propre intérêt. Donc là, moi, mon intérêt, c'était de pouvoir compléter avec des cartes vraiment... Bon, c'est que des communes, mais... C'est des cartes françaises communes, anciennes, qui ont un super état. Elles sont en plusieurs exemplaires pour certaines, mais c'est pas grave. Ça va permettre d'échanger les cartes avec d'autres personnes qui souhaiteraient en récupérer. Et puis ainsi, de compléter la collection et d'avancer toujours. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un maximum de cartes différentes. Voilà, donc voilà, je voulais vous faire partager cette petite découverte, ce petit lot, et puis le quotidien qui est de récupérer de temps en temps des lots pour améliorer la collection. Alors, à part là, la bonne surprise hein, quand même, on va finir la vidéo là-dessus, c'est 11 cartes du set de base. Voilà, c'est... Puis dont deux premières éditions. Alors ça, c'est vraiment, c'est pas facile à en trouver des cartes de première édition. Je le dis parce que moi, j'ai souvent acheté des lots, et on en a dans notre collection, mais... En 20 ans de collection, je peux vous avouer que ça ne se trouve pas à tous les coins de rue. Voilà. Donc, merci à la personne qui nous a fait profiter de ce lot. Bon, le lot avait son prix, mais son prix valait le coup. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.